Salut tout le monde, c'est Megafanta, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 20 déjà de Tomb Raider et toujours sur l'échelle parce que oui, cet épisode est tourné à la suite du précédent et dans le présent épisode, la chose qui était la plus remarquable c'est que je vous avais laissé le seum en fin d'épisode en vous gardant le suspense de ce qui allait arriver dans cette zone. Donc bah il est temps peut-être de monter, voilà, allez on va monter, c'est parti. Est-ce que j'ai bien fait d'attendre parce que je pense que ça aurait déclenché un truc en montant ici. Oui bah j'avoue, là c'est trop calme, elle a tout dit là, ça résume parfaitement la situation qu'on va vivre. Allez. Ah bah regarde. Oh on a des gentils monsieur. Oh c'est mignon. Tireur d'élite. Ah, tireur d'élite, je crois que c'est l'headshot. Ouais, moi je suis vraiment très très informé, vous voyez, au niveau des trophées dans ce jeu. Non, mais je les ai un peu regardés, du coup, des fois ça me dit certaines choses quand même. Ouais, je crois que tireur d'élite, c'est des headshots qui tout convient. Après, hein, je suis pas non plus monsieur information niveau trophée, mais je sais que c'est des headshots. Donc c'est déjà bien, finalement. C'est déjà bien, c'est bon du tout, moi. C'est bien mon travail. Ah un Dynamic Man. Ah lui on l'a raté mais vraiment avec vous. Il tombe comme des loups. Ah putain ils ont des katanas maintenant, hein, ça rigole même plus. T'as peut-être un katana, mais moi j'ai un piolet. Et je suis mort. Donc c'est encore mieux. C'est encore mieux. Bah ouais. T'as un katana, j'ai un piolet. L'égalité des chances n'est pas la même. Hein. C'est un peu exagéré. Je vais presque utiliser un peu plus mon lance-grenade, là, vous voyez. Comme ça, là. Voilà. Toi, tu vas tomber comme une... Eh bah non, j'ai un chute de pigeon écrasé à la sauce à la sauce béarnaise. Bon c'est vrai que j'aurais pu trouver plus original en autre sauce, mais j'ai pas trouvé là dans les médias. Donc j'ai dû vous proposer la béarnaise. Le mec il fait des petits débats comme ça sur les sauces, mais c'est intéressant. Ah, vous voyez on a tué moins d'ennemis mais finalement on arrive à cette cinématique. Ah les jeux de nos jours là. Ah bah ça part encore plus en couille que ça devait l'être au final. J'adore. Ah ouais j'adore cette scène. Ah là là elle est super. Moi j'aurais pas préféré vous montrer ça dans le présent épisode, ça l'aurait pas fait pour moi, donc vraiment j'ai bien fait d'attendre. Wouhou, adios toi. J'ai vraiment bien fait de vous laisser le suspense. Avec du suspense c'est plus envie. Par contre lui avec sa batteuse il reste... Oh regardez il est accroché lui. Bon. Laissons-le à ses occupations. Allez c'est parti. Bon tu vas te calmer là, fais pas ton Rambo non plus hein. Tu prends pas si supérieur que ça, tu vas vite déchanter. Enfin j'espère. Honnêtement, je sais pas qu'est-ce qui va lui arriver, oui, mais pas tout le monde. A chaque fois, il y a un truc, comme par hasard, je crois qu'il y a une heure. Quel sort, décidément. Wouhou, tyrolienne. Et quel enchaînement. Ah oui, c'est vrai, faut expliquer là. Enfin, oui, c'est vrai, je m'en souvenais pas. Hein. Le mec, il dit... C'est vrai, ah oui du coup merde, il ne redit pas que je dois appuyer sur le canal hein, ça. Cet enchaînement, hop là. Hop là, hop elle est, hop là, oh là là, ça s'enchaîne. Oh c'est magnifique monsieur, oh là là, quel jeu de tyrolienne. Ah non mais j'adore faire les jeux. Je m'en rappelle un peu maintenant de cette scène. Bon par contre la slow motion c'est bon, hein. J'avais déjà mis les barricades. A chaque fois, j'ai remarqué quand on doit passer d'une zone à une autre, il y a une scène comme ça où t'enchaînes les grosses conneries. La dernière fois, vous vous rappelez, c'était quand on avait descendu la rivière à coup de... je sais plus quoi, c'était d'ailleurs. Moi, je sais plus, mais vous voyez ce que je veux dire, quoi, au final.
Et regardez du sable! Mais c'est la plage! Youpi! Donc voilà, à chaque fois on a une transition comme ça qui arrive, mais moi j'aime bien, ça me dérange pas. J'aime bien tout ce qui est action comme ça, survitaminé. Et regardez l'épave. C'est l'endurance ça, si je me trompe pas. Non, 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 je dis des conneries, non, c'est pas l'endurance. C'est pas l'endurance, parce que l'endurance, on ira là. Ouais, l'endurance est là-bas. Regardez-moi ça, c'est beau, non? Ça, je crois que c'est l'endurance, hein. Si je dis pas de conneries, ça c'est une épave quelconque. Donc let's go! Normalement, nos amis sont ici sur la plage. Et moi, il y a un truc à chaque fois que j'ai retenu vraiment en jeu. C'est vraiment un truc anodin, mais je vais le préciser là maintenant. C'est qu'on a un trophée en fait à ce moment du jeu, vu que c'est à la plage que se trouve l'événement, entre guillemets. C'est Fifi le crabe. Il faut tuer Fifi le crabe. Donc je vais essayer de réaliser ce trophée, mais ce qui est difficile, c'est qu'on va avoir plein de crabes en fait. Il va falloir tuer le bon. C'est Fifi en fait. Et ça m'a marqué vraiment dans tout le jeu. C'est bizarre, c'est vrai, mais voilà. Il y a des choses qui te marquent comme ça, comme Fifi le crabe. Ah bah voilà, ils sont là. On les a trouvés. Sam, je suis là. Lara. Dans ces cordages là-bas. Je vais aller voir. Sois prudent. Ok. Donc là, vraiment, ça va être un moment du jeu qui va être plutôt tranquille. Normalement, si je me rappelle bien, on va pas avoir d'ennemis. C'est la plage, on est tranquille, on est bien. Et ça va être une zone un peu chiante aussi. Pourquoi? Regardez-moi ça. Alors là, pour les trucs secondaires, on va galérer. C'est un vrai labyrinthe, cette plage. C'est un vrai labyrinthe. Mais bon, on va quand même essayer de se débrouiller, hein, parce qu'il faudra bien, de toute façon. Alors, du coup, on nous a dit qu'il fallait récupérer des poulies, je crois, là-bas. Donc on va le faire, pas tout de suite, parce que j'ai un truc à checker avant. Comme une sorte de tombeau que j'ai cru voir quand je suis arrivé. Que j'ai cru voir, hein. J'ai cru voir l'entrée, est-ce qu'on peut y accéder? Je pense bien que oui, en tout cas. Ouais, c'est même sûr. Donc on va aller voir ça, du coup. Et ici, du coup, comment on monte également je... C'est bien beau, mais j'arrive pas à monter sur le conteneur. À moins que, ah si, peut-être avec les... Non, pas avec les rochers, quand même. Ça me paie les bizarres, ils sont... Oh, si, capable. Ouais, par contre, là, non. Non de non. Le problème, ouais, c'est que quand elle est dans l'eau, elle peut pas sauter. Ouais, bon, ici, je sais pas comment on escalade. Et il y a sûrement un moyen, parce qu'il y a toujours un moyen de faire quelque chose. On va pas s'emmerder, au pire. Hein. Je préfère plus voir... Ah bah, regardez un crabe. Est-ce que c'est Fifi? Non, Fifi, dans mes souvenirs, n'était pas là. Ah bah si! C'était Fifi! C'était Fifi! On a trouvé Fifi le crabe en premier. What the fuck? Mais what the fuck quoi. Mais il y a 10... Je sais pas combien il y a de crabes sur la plage. Le premier qu'on croit c'est Fifi. Oh là là. Mais quel talent. Ah bah tiens, regardez, il y a une géocache là. Oh mais quel talent aujourd'hui là. C'est tombé, on se surpasse. Est-ce que ça c'est pas un truc de détruire des mines par exemple? Eh bah si, regardez, on enchaîne les trucs des minages. Et ouais, bah on peut y accéder au tombeau, donc on va le faire. Hein. Je crois pas que je l'avais fait celui-là sur PS3 en plus. Voilà, on va s'empresser. Et Tom qui... Quelque chose de plus solide. Ah bah oui, ah bah le malaise. Ok, donc on va avoir une amélioration de l'arc qui va sûrement venir d'ici peu, vu que vous voyez là on peut pas y accéder. Comme je disais, il y a Tom qui m'invite.
le rejoindre après la fin de cette vidéo, mais bon là je suis en plein tournage donc il va attendre hein, ce gentil homme. Hop. Ah ben rien qu'ici, vous voyez, c'est une zone quand même très très vaste. Ah là, merde, encore un truc, un autre défi. C'est quoi ça? Chasseur de cairns. De cairns. C'est quoi des cairns? Ça me dit quelque chose, mais je sais pas ce que c'est. 1 sur 5 cairns trouvés. Et déjà, on va voir ce qu'il y a donc ici. On a 4 camps. Waouh! Déjà 4 camps, ça fait un peu beaucoup quand même, non? Document 4 également. Relique 6. Géocache 15. Chasseur de quinte, ouais, après voilà. Ok, bah de toute façon, on va attendre parce que d'avoir le tombeau. Parce que grâce au tombeau, on pourra. T'es mort de cette hauteur. Ok. Comme je disais, du coup, de tombeau, grâce à la carte au trésor, on pourra tout voir. Donc, ça n'a rien de chercher bêtement comme ça. Quand on aura la carte au trésor tranquillement, ce sera plus facile. Juste là, il y a une géocache. Donc là, par contre, je la récupère. Hop. Et du coup, comme surpris d'avoir tué Fifi le crabe si rapidement. Ça, vraiment, ça m'a surpris. Donc, peut-être que du coup, avec la poulie, est-ce que c'est avec ça qu'on améliore Je sais plus si c'est avec ça qu'on va améliorer notre comment dire notre arc pour rendre plus puissant. Je sais plus du tout. C'est possible, mais dans un côté c'est impossible. Vous voyez la difficulté de la chose quoi, en gros. Je sais pas, on verra. Pour accéder à l'endroit en question, ça va être. Bah, je crois que ça va être par là. En fait, j'étais bien en bas, je sais pas pourquoi je suis remonté. Ah, je crois voir maintenant comment on accède. Attendez. Si je fais ça. Merde, je me suis trompé là. Ah non, le mec il dit je me suis trompé, mais non, finalement. Ah non, en fait, je pensais que bah, la barque en fait se serait déplacée. Mais non, pas du tout. Pas du tout, mon gars. Ce qui me dérange vraiment, c'est ce truc en fait. C'est vrai que c'est anodin parce que c'est un simple. Simple truc comme ça là. Mais on va bien récupérer tout de même. Pas l'air de vouloir escalader. Hein. Dans l'eau comme ça, on peut pas. Et on a pas pied en fait. Problématique. Enfin si, on a pied. Et justement elle saute pas. Ouais bah elle est tombée quoi. Et bah, pour accéder. Attendez, même si je fais ça, tiens. Non. Je teste, hein, je teste. Ah, mais regardez, on a d'autres crabes ici. Mais c'est pas des fifi. Ça, c'est des fake. Les fake crabes sont les pires des crabes. Du coup, ouais, c'est ici. Il nous montre un truc. Je suis d'accord, ok. Mais quel est l'intérêt, je sais pas. Donc, je pense qu'on va plutôt continuer par là pour l'instant. A voir si après l'utilité se présentera peut-être ou pas. Alors. Ça aussi c'est important pour un trophée. Mon trophée c'est pas. Non, je suis tombé. Ah, à cause d'une mouette en plus, c'est pire. D'empire. De pire. S'il te plaît, je peux avancer un peu plus rapidement quand tu es dans l'eau. Ce serait plutôt bien. J'apprécierais en tout cas ce geste. Bon là, c'est pas grave. Ouais, bah en continuant là, de toute façon. Ouais. C'est par là en fait le chemin. Je sais pas pourquoi il me mettait en surbrillance le truc. Je sais pas du. Oh bah regardez, on a une mine ici. Voilà. On a 10 mines quand même, donc faudra faire gaffe. Regardez. Super, comme je vous l'ai dit, les solus sont là pour nous aider. Dans tous les cas. Ah ouais, mais là on a des tyroliennes. Ouais. Ok. Hop. Du coup la suite. Oui mais c'est bien beau que je m'avance jusqu'ici, mais j'ai vu la suite. Ah non, c'est bon, on peut monter, j'avais pas vu l'échelle.
Le mec, tu sais, le malaise. Ouais, mais non, va où? C'est malin, mais bon. C'est malin, Gaspard. Hop, ok. Oh, 2 sur 3 des pièces de fusil. Ce serait bien de récupérer la dernière. Au moins, bah, ce serait fait. Ouais, donc là, c'est vraiment le chemin retour. Faut pas que je m'en préoccupe pour l'instant. Hop. N'empêche, c'est vachement plus détaillé cette. Cet endroit par rapport à sur PS3. Je me rappelais sur PS3. Mais là, c'est détaillé. Un message encore. Je reçois plein de messages. Ok, je vous ai dit que c'était une zone tranquille. Bah, finalement, il y a des ennemis. Ouais, on va être plutôt. Non, si je lance, non, pas de flèche. Attendez là. Bon, je me suis fait repérer, certes, mais je voyais pas d'autres moyens. En plus, c'est le seul ennemi que je voyais réellement. Putain, lui, son arc il était vachement bien amélioré. Je l'ai vu. Brièvement, certes, mais je l'ai vu. Hop, voilà, on va monter ici. Ouais, pas pour tout de suite. Ouais, et c'est bien l'endurance qui est là-bas. Maintenant, j'en suis sûr. Ouais, bah c'est bien par là. C'est bien par là. Regardez, là, on voit bien l'endurance. Ouais, je me rappelle, c'était pas du tout clair ici. Je pense que même d'ici, je voyais pas l'endurance. Il y avait du brouillard et tout. Bon, vu que sur PS4, voilà, t'as plus de capacité. La distance d'affichage n'est pas la même. Hop, ok, là on est au sommet du bateau. Du bateau bien détruit d'ailleurs. Je pense d'ailleurs qu'il y a d'autres ennemis qui doivent traîner. Tiens, ici. C'est pas anodin ça non plus qu'on puisse aller jusqu'ici. Ouais, ou alors ça l'est totalement. Ah bien, par contre, la petite cinématique de mort. C'est pas mal, au lieu de tomber comme ça dans l'eau et tu dis bah game over, écran noir, voilà, là il y a une petite cinématique. C'était pas mal. Attendez, non, je vais prendre le silence. Finalement, ils sont deux, donc la vraie être silencieux, ouais. Pourquoi pas, mais bon, c'est pas non plus grandement utile. Mais il y avait vraiment rien là au bout du. Je sais pas comment on appelle ça, parce que oui, je suis pas calé niveau nautique, moi. J'ai beau habiter en Bretagne, tout ce qui est marin nautique, je m'y connais pas. Hein. Pas moi l'expert dans tout ça. Non mais y a rien de toute façon. Juste si tu veux faire la scène du Titanic, tu peux aller jusqu'au fond, mais sinon l'intérêt n'est pas présent, quoi. Merde, là par contre je retombe. Du coup. Ah attendez. Il est où le petit petite relique? Elle est où? Elle est là. Merde, donc elle était en terre, donc j'ai foiré mon saut et j'ai tout raté. Merci bien, merci, c'est tout super. J'ai bien apprécié sur le coup. Pas que sur le coup d'ailleurs, en général, j'ai bien apprécié. Bon, je vous préviens par contre, hein, pour ce qui est Uncharted 1, 2 et 3, je les ferai pas à 100% ça. Hein. Faut pas croire non plus, je vais pas faire tous les jeux que je fais en let's play à 100% maintenant. Hein. Merde, mais c'est. Il est où le saut? Oh là, là attendez, j'ai raté un truc là. J'ai raté un truc, faut que je sois un peu plus méthodique parce que là, oui. J'ai raté un truc, je sais pas quoi. Mais il y a un truc. On reprend le pistolet silencieux. On l'équipe du silencieux d'ailleurs. Force spéciale! Hop! Putain, il est pas mort. Voilà. Il a fallu y mettre le headshot pour l'achever. Bien proprement. Ok, donc là on remonte ici, c'est après, là va falloir être très observateur parce que sinon je vais encore tomber et je devrais recommencer et ce sera pas cool. Ok, le voilà. Ah, ok, elle est là. Oui, ok, bon bah merci bien.
Eh oui, du coup, ça déclenche la suite. C'est moi qui ai pas assez attentif, hein, désolé. Sorry for my performance so dégueulasse. I'm very attristé. I'm very triste aussi. Ouais. Ok, ça je vais récupérer. Bon, par contre, je les ai entendus, hein, ne vous inquiétez pas. Collection de reliques 1 sur 3, jade de la dynastie Yuan. Yuan, encrier de jade marron. Désolé d'être vraiment assez raciste comme ça en faisant l'accent, mais je suis un peu obligé. Par contre, non, j'ai dit une connerie en disant ça. J'allais dire que le silencieux a tué les dégâts, mais finalement non, parce que des fois on one-shot très très bien les ennemis, c'est juste qu'on leur ne pas les headshot, voilà. Là, vous voyez, headshot, ça le termine, quoi. Ok, bon bah je pense qu'on a bien fouillé, du coup, et c'est peut-être suite à ça qu'on pourrait débloquer une amélioration au niveau de notre arc. On va voir ça, de toute façon, vu que on va s'y rendre. Ok. Ah ouais, le conteneur. C'est quand qu'on arrive sur ce foutu conteneur, shit man. Jamais de la vie. Jamais de la vie tu m'attireras sur ce conteneur. On est rentré. Voilà, c'est bon. Je trouvais ce que vous cherchiez, monsieur. Je crois que là on va l'améliorer. L'arc. Alex devrait déjà être revenu. C'est le docteur Whitman. Shanna, Alex. Combien ils sont? Je ne sais pas. Vous êtes blessé? J'ai vu personne. J'ai dû leur faire peur. J'ai couru comme un dératé. Et vous avez à peine transpiré? Il faut croire que j'ai des ressources. Vous auriez pu les mener jusqu'à nous, comme vous l'avez fait au palais. Quoi? Ça ne s'est pas passé comme ça, Lara. Ils m'ont capturé quand vous cherchez Sam. Mais de quoi vous parlez? Ils m'ont clairement dit que c'était la condition pour vous sauver la vie. J'ai tenté de vous prévenir. On n'a pas le temps pour ça. Écoutez, je ne sais pas quel est le problème entre vous, et pour être franche, je ne veux pas le savoir. J'essayais simplement... Bon, vous l'ouvrez encore, et je vous promets que je vous explose votre magnifique dentition à coup de crosse. Si on commence à se disputer, on est foutu. C'est vrai. On oublie ça et on passe à autre chose, d'accord? Je vais chercher Alex. Où étaient les outils? Dans la salle des machines. Mais tu sais, Lara, Alex est un grand garçon. Tant mieux. Alors ce sera pas long. Intéressant. Bon, par contre, voulez-vous bien améliorer mon... Lara, attends. Oui, c'est ça. Meilleur. Merci. Tiens, prends cet arc. Je l'ai gardé pour toi depuis que je... C'est l'arc des gardes d'ailleurs, enfin des gardes des Solaris. Ces flèches transperceront presque tout. Merci Jonah. Ça c'est l'arc de compétition, hein. Waouh. Ah bah super, ça va nous permettre de finir l'épisode en beauté. Voilà, arc à poulie. Donc c'est ça d'ailleurs, voilà, c'est grâce à la poulie même. Donc échange d'armes arc recourbé contre arc à poulie, voilà, nanana, nanana, 100%. Et normalement du coup là... On va avoir à 100% justement l'arc. Même pas sûr, tu vois. Bah normalement, si, il devrait pas y avoir d'autres améliorations. Alors, les flèches incendiaires répandent le feu à l'impact. Ouh, intéressant. Je prends. What else? La corde tressée permet d'augmenter les dégâts de vos flèches. Bah, ça, c'est encore plus intéressant, je vais te dire. Et 7 sur 7, 70%, putain, on l'a toujours pas au max, quoi. Les améliorations dans ce jeu, ils sont dissidentes, on va dire ça comme ça. Après, niveau des compétences, donc j'avais dit, restait plus que chasseur. Tir à bout portant pour les arrêter dans leur élan et gagner récompense.
récompense. Achever les ennemis à bout portant avec le fusil pour gagner récompense. Donc ça, c'est juste en fait des trucs de récompense. Exécuter vos ennemis à bout portant pour plus de récompense. Vous gagnez ainsi au réticule de tir à la tête. Et vos flèches comme des poignards et attaquer vos ennemis au corps à corps pour venir. Ok, ça je vais prendre par contre. Lorsque vous utilisez l'arc pour achever des... Ok. Ok, ok. Castagnier, ouais, c'est vraiment axé sur le combat au corps à corps. Donc normalement, maintenant qu'on a l'arc à poulie, comme il l'appelle, on peut accéder accéder au tombeau. Mais avant, il y a un petit trophée qui consiste à parler à tous les membres de l'endurance, donc je vais le faire. Si vous le dites... On l'entend même pas parler. C'est passionnant. Mais on l'entend même pas, quoi. Tu as trouvé de quoi t'occuper l'esprit. Ouais, un vieux Robinson Crusoe. Quelle ironie. Ah bah là, on l'entend. Il a fini par la quitter son île. On peut voir ça comme un bon présage. Nous ne voyons jamais notre véritable condition avant d'en avoir expérimenté l'opposé. Nous ne savons apprécier ce que nous faisons qu'à travers nos désirs. Lara, on va s'en sortir. Dis-moi, Lara. Bien sûr qu'on va s'en sortir. Évidemment. Ne vous inquiétez pas. Soyez tranquille. Lara va ramener Alex. Ensuite. Vous vous rappelez ce qu'il chantait. Je n'ai pas très envie de parler, Lara. Tu devrais aller chercher Alex. Ok, donc là pour les deux, c'est bon pour la conversation. Normalement c'est ça, hein, le trophée, si je me rappelle bien. D'ailleurs je l'avais pas fait sur PS3, donc là je me venge en essayant de le réussir cette fois. du coup il nous manque... Il nous manque Reyes et Jonah, qui sont où? Ah oui, il y a Reyes ici. Jonah on trouvera. N'oublie pas de me les rapporter, Lara. Allez, Dunaire, retourne sur l'endurance pour récupérer mes outils. Attends, il les entend quasiment pas. Hein. Donc elle, c'est bon pour Yes. Et Jonah, il se trouve où? Il se trouve où, le petit Jonah? Hop. Une sur trois pièces de fusil à pompe. Okidoki, yeah. Je suis content. Bonne nouvelle. 2 sur 3 pièces d'arc. Oh putain, ici il y a plein de trucs, vous avez l'impression. Il est où Jonah là? Comment ça se passe? Il est pas là? Ok. Il est là-bas. Je suis con, il a pas bougé depuis tout à l'heure. Ok, désolé. Jouer de l'autre côté des falaises. Tu peux peut-être utiliser ce nouvel arc pour y parvenir. Et c'est les rochers de l'autre côté du quai. Tu n'as vu aucun signe des pilleurs? Rien, tout est calme. S'ils sont dans le coin, je sais pas ce qu'ils attendent. Ouais, s'ils sont dans le coin. Écoute, Lara, je sais que t'as pas confiance en Whitman, mais on doit se serrer les coudes. C'est vrai qu'il a peut-être un petit peu perdu les pédales, mais je ne crois pas qu'il nous trahirait. Pourvu que t'aies raison. Alex est parti depuis trop longtemps. J'aurais jamais dû le laisser y aller seul. Ne tarde pas. Il faut trouver Alex. Voilà, par contre, j'ai parlé et il n'y a rien. Il n'y a tristement rien. C'est Reyes, du coup, parce que oui, ils sont que 4. Hein. J'ai oublié personne. Non, c'est bon. Donc, je parle encore à Reyes, je sais pas. Non. Ok, bon, bah tant pis. Tant pis. C'est pas grave. Ah bah il y a encore des matériaux là-bas. Et vu la chance qu'on a eue dernièrement, peut-être qu'on aura encore pièce de je sais pas quoi. Non, pas cette fois. Juste là avant j'ai vu ça. Ah mais à chaque fois en fait je vois un truc qui m'empêche de faire la suite. Ça c'est chiant par contre. Donc voilà le Cairns. Je sais pas ailleurs ce que c'est, mais bon, c'est pas grave. Hein. On va faire sans. Les matériaux, voilà. Hop. Chaque fois vraiment je trouve un truc quoi. Ici aussi j'avais vu, du coup je vais faire ça et après ce sera bon.
Ah, ici, il est l'arc comme ça. Hein. Arc de professionnel. Je ne peux pas encore faire ça. Sérieuse? Putain, c'est même pas suffisant. Ah, j'espère que ça va pas me faire le même coup avec l'arc. Parce que sinon, du coup, ça me ferait chier, mais il faudrait abandonner cette zone. Parce que la secondaire, sans la carte, c'est un peu chiant, quoi. Je peux le faire, mais il faudrait que je fouille partout, ça prendrait trop de temps. Il faut que je trouve quelque chose de plus solide. Je peux pas. Je trouve ça bizarre, parce que bah, je l'ai amélioré, quand même. Merde, c'est pas cette touche. Non, je pourrais même pas voir par là. Normalement, c'est par. En fait, il faudrait que je trouve encore des pièces de. D'arc. Merde! Il fait enflammer, bah oui! Qu'est-ce qu'il fait? Mais oui, je tire mal, ok. Je faisais le truc pour agripper, et du coup, voilà, forcément. Ah, je pense peut-être que finalement, ouais. Les pièces sont ici, faut les trouver. C'est possible ça. Oula, c'est quoi toutes ces mouettes? On se calme, hein, les mouettes. C'est possible ça, par contre. Hein. Si c'est le cas, merci, quoi. Super. On va s'amuser. Voilà. Fusil d'assaut contre fusil de commando. Là, par contre, je pense que c'est la dernière amélioration pour le fusil. Ouais, c'est clairement la dernière. On a le silencieux d'ailleurs dessus maintenant. Ok. Précision du zoom. Ça, c'est bien. Plus de grenades. On a plein de choses maintenant. Hop. Ok. De toute façon, maintenant, c'est les matériaux qu'il va nous falloir hein, si on veut continuer. Hop. Carte mise à jour, carte mise à jour. Il y a une géocache qui se trouve ici. Voilà ce que je dis, moi, quand on me dit qu'il y a une géocache. Une idée. Aucune idée, monsieur. Non. Ah, elle est en haut. On peut monter. Bah oui, on peut monter. Bah, naturellement, quelle question, Jean-Louis? Quelle question me poses-tu actuellement ici? Ah ouais, mais ici ça s'ouvre, ok. Bah, si ça pouvait s'ouvrir si facilement pour le tombeau, je dirais pas non, tu vois. Malheureusement, ça se passe pas si facilement que ça. Non, mais je pense de toute façon qu'on va devoir attendre. Je sens quelque chose dans cet endroit. Ok. Clairement, de toute façon, si on peut pas, on peut pas, donc on va continuer en du coup essayant de rejoindre l'endurance parce que là c'est du coup notre objectif principal. Un peu déçu quand même, moi qui pensais, tu vois, faire tout tranquillement. Je me suis fait un peu avoir là à cause du tombeau. J'espère par contre celui-là on pourra l'atteindre. Que sinon c'est la merde. Mais attendez, du coup, il y a deux cartes au trésor, du coup, vu qu'il y a deux tombeaux. Donc normalement on a deux chances, à moins que il y a une carte au trésor pour une zone de cette zone. Oui, c'est compliqué, je sais, mais c'est comme ça. Ou bah je sais pas du coup comment ça se passe. Tiens, toi t'es brûlé. L'arc à poulie. Tiens, une flèche grappin sur une paroi. Ok, donc l'arc à poulie ne sert pas du tout à améliorer, ouais, donc c'est bien cela. C'était pas ça du tout. Donc ce sera un peu plus tard, je pense. Bah par contre, si t'es pas à côté, ça marche pas. Ou alors, hein, petite information, on sait jamais. Par ici, on a quoi? Je sais pas pourquoi je vais par ici en premier, vraiment, c'est purement aléatoire. Purement instinctif aussi. On m'approche de l'endurance. De quoi t'as besoin exactement? Alex,
On se faisait un sans-dents. J'ai besoin d'une barre de rupture et du reste de mes outils. Sinon, je peux pas réparer le bateau. D'accord, je m'en occupe. Lara se dirige vers toi. Tu ferais mieux de l'attendre. Lara ? Non, non, c'est pas la peine. J'y vais. Je fais silence radio. Alex, qu'est-ce que tu fais ? Voilà, moi je tue silencieusement les petits pigeons. Les petites mouettes. Pourquoi je dis pigeon là ? What ? Yes, oui, un peu débile, désolé, pas de ma faute. Hop. Putain, ici c'est des trucs un peu partout là. Hein. Un peu le bordel. Hop. Je cache supplémentaire. Ici, est-ce qu'on va avoir un accessoire supplémentaire également ? Je ne sais pas. Par contre, on a une mouette grillée qui cette fois-ci ne tombe pas comme par hasard. Contrairement, tu vois, aux matériaux qui eux sont tombés bien bas. Non, on n'a pas de pièces d'armes pour les armes, malheureusement. À mon plus grand désespoir. Repose-tête en jade. Ouais, si tu veux, pourquoi pas. Ne tombe pas. Je parlais à la mouette, hein, pas à toi alors. Donc elle est tombée, voilà. Comme ça, facilement. Ouais, du coup, si je veux remonter, c'est ardu. C'est pas par là en tout cas. Plus par là. Voilà. Ça c'est pour un trophée hein, que je le fais. Hein. C'est pas parce que je veux ramasser, je sais pas. Quoi qu'on récupère d'ailleurs en tuant ça, je fais même pas attention, vous voyez. Mais voilà, c'est pas pour récupérer les trucs qui loot, c'est juste pour un trophée. Je compte pas faire le trophée platine parce que ce serait compliqué. Mais faire le. Avoir des trophées supplémentaires, par contre, je dis pas non, je crache pas dessus. Donc quand je peux les avoir assez facilement, comme ici, bah je le fais, je me gêne pas. Ici, du coup, ouais, on peut aller en hauteur. Après, quel est l'intérêt? Ça, c'est une bonne question. On va aller voir, de toute façon. Fouillons. Ah ouais. Est-ce qu'on peut aller plus haut que cela? Je pense pas. Si, on peut. On peut. Non. On monte. Non. Pour une geocache. Ça valait le coup. Plumeau, bah voilà, c'est bon, je l'ai mon trophée. Là, par contre, regardez-moi cette vue. Selon la marée, en fait, des fois tu la verras, des fois tu la vois pas. Ça, c'est bien salaud. Merci bien, quoi. Ok, on a des nouveaux trucs dans la zone qui sont déclarés. Ok, bon, on avait la géocache ici. On ira la récupérer après, au retour, c'est pas grave. Par contre, ça, je vais pas la rater. Merde. J'ai pas appuyé sur croix. Comme un con. Désolé, j'ai un peu crié. Ok, elle se bouge juste là. Et là, elle est pas morte. Ok. Des fois, elle tombe vraiment de plus bas et... Pouic. I'm dead. Oh no. I'm sorry. Oh le bruit. Oh, est-ce que vous avez entendu? J'ai parlé en même temps. Je sais pas si vous l'avez entendu. Vous avez... Tu es un peu roussi sur les bords, toi, qui est devenu ton propriétaire. Putain, what? Bah, le propriétaire, il est mort. Ou alors c'était une mouette. Mais voilà, si c'est une mouette, de toute façon, il est mort également. Donc, ça change pas grand chose. Ouais, la laisse tomber. Vas-y, hop là. Bon, j'aurais pu prendre du coup mon grappin. Non, plutôt mon arc-palan. Oui, on peut appeler ça grappin également. Ça marche, mais ouais. Plutôt l'appeler arc-palan pour accéder, mais ça marche quand même. Ça marche quand même, fissa, comme on le dit, fissa. Super, il y a des gardes. Youpi. Là par contre, ils ont entendu. Hein. Ah, regardez, on a un Cairns supplémentaire ici. Ce serait bien qu'on les fasse les 5 comme ça, sans le vouloir en plus, vraiment précisément. Moi je dis pas non. 3 sur 5 déjà, ça avance quand même.
Et en plus, si je me rappelle bien, sur PS3, c'est ici que j'ai eu dans les environs Fifi le crabe. Je crois en tout cas. Alors, pour monter, du coup, on a vu l'échelle et ils sont sûrement bas en haut, les gardes, les Solari. Alors, comme je crois qu'ils m'ont vu là. Il y a la musique et j'ai cru entendre. Enfin, je sais pas quoi. Ok, bon, par contre, c'est pas pour là pour monter. Oh shit! That fail. C'est pas par là pour monter, donc c'est forcément par là. Oui, bah, on entend par là, oui, on voit. Ah ouais, quand il disait plus de dégâts, je pensais pas non plus que c'était un sniper leur truc quoi. Il one shot quasiment le fusil d'assaut. Waouh, fusil de commando même maintenant du coup. Regarde, mais c'est cheat, mais c'est non légit ce genre de truc. Ça devrait pas exister. Tant mieux, hein. Je dis pas non hein, forcément quand j'ai des armes comme ça, mais je déclare quand même que c'est un peu abusé. Voilà, je le dis. Je le précise. Faut un peu plus monter encore. Vas-y, monte, hein. Fais-toi play. Ah, fais-toi plaise, ouais. Merci bien. Okay. Ça, par contre, c'était fourbe, le truc. C'était vachement fourbe. De devoir monter pour voir que t'avais en fait un barbelé, du coup, tu veux pas monter, tout ça, tout ça. Mais c'est bon, on y a accédé. Hop, si on a document ou relique. Non, ça c'est relique. Où sont passés tous les enfants? Ouais, un train miniature. Oh, trop bien. Donc ça c'est un... Je sais pas quel bateau c'était, peut-être un bateau de croisière, je sais pas. Mais vu qu'il y a des objets comme ça assez... assez communs, on va dire. Il y avait sûrement des enfants déjà, premièrement. Donc, peut-être navire croisière, tout ça, tout ça. On ne sait pas. On n'en sait pas plus. Ah bah on va direct vers le tombeau là. Tombeau qu'on pourra d'ailleurs visiter dans le prochain épisode. One shot. Voilà. Moi je te one shot. Ok, bon bah du coup je pense qu'on va s'arrêter là. On a accès au tombeau, je vérifie. Oui c'est bon, c'est parfait, c'est impec. Ouais, on va s'arrêter là, du coup, je ferai le tombeau pour commencer le prochain épisode. On essaiera également de rejoindre Alex, du coup, d'aller jusqu'à l'endurance. J'espère en tout cas que cet épisode 20 du Let's Play de Tomb Raider vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, ça me fera extrêmement plaisir. Et du coup, on se retrouve dès dimanche. Pour la suite du Let's Play. Sur ce, bye tout le monde! Oh yeah!